and the hell of time can wipe away our tears. Girl, you know I'm right to come home. Depuis tout petit, il écoute Otis Redding et Ray Charles. À 26 ans, Ben est l'un de leurs héritiers, version française. Son premier album vient de se vendre à 300 000 exemplaires. Un immense succès, alors que la soul a toujours été marginale en France. Son secret, une bonne humeur permanente et un contact direct avec ses fans. Mais non, on n'est pas calme. Ça va les enfants? Son public, des adolescents, des adultes, mais pas seulement. Ben Allez. Séduit toutes les générations. Merci beaucoup. Bonne soirée les filles. Il y a une dame un jour de 77 ans qui m'a arrêté dans la rue et qui m'a dit « Monsieur Ben, l'oncle Sam. » Oh, j'ai dit « Non, vous n'êtes pas sérieuse, madame. J'adore ce que vous faites. Vous savez, moi, l'épopée Soul, je l'ai connue. Et vous êtes à la hauteur, monsieur. » Elle m'a dit comme ça. On va juste régler le... Une petite salle de concert à Pantin. Et puis ça va être cool. I'm always coming back for you. Dans quelques heures, Ben et ses musiciens se produisent devant un millier de personnes. Depuis un an, le groupe joue presque tous les soirs, à guichet fermé. C'est que du bonheur. Encore aujourd'hui, quand on me dit, quand on me demande si je travaille dans la vie, je dis non quand même. Tu vois, bon, moi je suis encore étudiant, fin de cycle d'études, en mode je vais passer un concours pour voir si l'éducation nationale veut bien de moi. Car avant de devenir chanteur, Ben voulait être prof de dessin. À l'époque, il étudiait aux Beaux-Arts. Aujourd'hui, il est nominé 4 fois aux prochaines victoires de la musique. Il pourrait notamment être couronné révélation de l'année. Un succès foudroyant. Et grâce notamment à ce morceau, une reprise des White Stripes, un tube rock que Ben passe à la machine à laver soul. Lavage et repassage. Car avant chaque concert, Ben prépare sa tenue de scène. Comment tu fais pour garder la tête froide face au succès? Je repasse mes fringues moi-même. Un bon antidote contre la grosse tête, mais ce n'est pas le seul. Le groupe est une bande de potes. Presque tous ont grandi à Tours et se connaissent depuis de nombreuses années. S'il y en a un qui pète les plombs, il se prend une calotte derrière la nuque. Je sais. Comme ton grand frère, comme ça. Qu'est-ce que t'as? Et là, tu fais beaucoup moins le malin. Oui, t'as raison, c'est vrai, c'est que de la musique, pardon. Ben voilà, c'est ça qu'on voulait entendre. 5 minutes. Moi, je suis déjà habillé, je suis prêt, j'ai chauffé déjà un peu. Chauffer, ça veut dire techniquement faire des exercices pour que l'instrument soit à température. Et sinon, voilà, bah, j'allais poser des choses, j'allais me préparer peut-être psychologiquement. Attends, s'il vous plaît, merci. Une ambiance colonie de vacances. Le clavier prépare une blague au trompettiste. Gaël Cadou a mis du chocolat dans mon embouchure de trompette, c'est une bonne idée. Bah, il a mis du chocolat dedans et comme je viens de souffler, c'est parti à l'intérieur, donc c'est bouché. C'est super, ne jamais mettre de chocolat dans une trompette, merci. Ah ouais. À quelques minutes du show, Ben se métamorphose en oncle Saul. Concentré, mais pas stressé. Le track, c'est pas un truc qui m'est déjà arrivé, quoi. C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt genre à un quart d'heure du show... J'ai plutôt envie de monter sur scène, je suis dans les starting blocks. Allez, la compagnie. 1, 2, 3. Soul! 1, 2, 3. Soul! What time is it? It's showtime! What time is it? It's showtime! Are you ready to rock? I'm ready to rock! Are you ready to soul? I'm ready to soul! 1, 2, 3. Soul! 1, 2, 3. Soul! 1, 2, 3. Soul! Ooh.
À la fin du concert, Ben lance une chorégraphie. La salle est survoltée. En avril, le groupe chantera au Zénith, puis ce sera une tournée aux États-Unis, au pays des pères de la soul.